Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordiale bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Il est le seul, l'unique, Dieu de grâce, Dieu de paix. Merci pour ton amour manifesté, pour ta grâce et pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Et nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous souhaitons que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Ah, j'ai aimé la parole d'hier. J'aimais quand l'homme de Dieu a dit ce que Judas n'a pas réussi. Le petit-fils de Judas l'a conquis. Ah, laisse que tu réussisses là où tes parents ont échoué. Et ça veut dire que tu feras avec Dieu des choses que aucun membre de ta famille n'a déjà réalisées. Wonderful, wonderful. Powerful. I thank God. Ok, nous allons continuer encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu qui va bénir encore l'assemblée. Ce soir, j'étais en train de vous parler de notre bien-aimé pasteur Patrick de Nairobi qui nous a wonderfulé hier, qui va encore nous wonderfuler par la grâce de Dieu ce soir. Alors, comme je sens déjà que vous l'aimez et que vous avez envie de le recevoir ici à la chair, alors je m'en vais l'inviter avec le concours du Saint-Esprit à venir monter ici devant. Pendant qu'il vient, nous acclamons le Seigneur. So I just wanted you to come on the pulpit and to minister the word of God. Let God be your portion. Let God bless you. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Je vous salue au nom de Jésus. Hebu tusalimiane hewani jamani. Amen. Ni wangapi wanasikia wanabarikiwa kwa katika nyumba ya Bwana magharibi ya leo? Que combien sont bénis dans la maison de Dieu ce soir? Amen. Namshukuru baba wa nyumba hii. Ah, j'ai béni le père de cette maison. Nasikia kubarikiwa sana mtumishi wa Mungu. Hebu tumpigie baba yetu makofi kwanza. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui parce qu'il est béni? Amen. Kule kwetu tunasema hivi. Chez nous là-bas nous disons ceci. Asiyekuwa na baba. Tout celui qui n'a pas de père. Hana mabawa. Yes. Il n'a pas les ailes pour voler. Unajua mabawa ili ya kupaa. Vous savez les ailes ça aide à voler. Sasa yule ambaye hana baba. Mais celui qui n'a pas de père. Hana mabawa. Il n'a pas ses ailes là. Na kama hauna mabawa. Et si tu n'as pas les ailes. Hawezi ukapaa. Tu ne peux pas monter. Ni kama vile kuku. C'est comme une poule. Mabawa ya kuku ayezi kasababisha kuku apae juu. Les ailes d'une poule, ça ne peut pas les permettre de monter, de voler dans les hauteurs. Ukimtupa juu atarudi chini. Si vous les jetez en haut, il va juste retourner par terre. Lakini yule ndege anaitwa tai. Mais c'est l'oiseau là qu'on appelle l'aigle. Wakati anaingia anaanza kupaa. Quand il commence à monter, hawezi kurudi chini. Il ne peut pas rentrer descendre. Sasa ukiwa na baba unakuwa kama tai. Et si tu as un père, tu es comme cet aigle là. Wakati wengine wanashuka wewe unapanda. Quand les autres sont en train de descendre, toi tu montes. Mimi nasema kwa sababu ya neema ya baba wako wa kiroho upae kwa jina la Yesu. Tu montes au nom de Jésus. Hallelujah. Yes. Namshukuru Mungu. Et je bénis Dieu.
Nitaendelea na lile somo, nitaendelea na mahubiri ile ile sehemu ambayo niliacha jana. Et je vais continuer avec la prédication que j'ai laissée hier. Ni wangapi walibarikiwa na hiyo neno? Qui ont été bénis? Oh, yes. Mungu akubariki. Que Dieu soit béni. Na upokee zaidi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tutasoma maandiko matakatifu. Nous allons lire dans les saintes écritures. Tutasoma kitabu cha Kutoka. Nous allons lire dans les livres d'Exode. Tutasoma Kutoka makumi tatu na Exode 30 na mbili. Exode 32. Kuanzia mstari wa 16. Et nous allons commencer par les versets 26. Paka 19. Et 16 plutôt, jusque 19. Exodus 32, 26 Exode to 29. Exode 32, 16 à 19. Kisha tutasoma Mwanzo 49 mstari wa 5. Et ensuite nous allons lire Genèse. Tutaanza na kitabu cha Kutoka. Nous allons commencer d'abord avec Exodus. Nilisema Kutoka 32 kuanzia 26 mpaka 29 mpaka 29. You say Genesis 32. Exodus. Exode 26. Exodus. Exode 32, nous rentrons toujours dans Exode. Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il a dit ainsi, parle l'éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'on donnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent. En cette journée, Moïse a dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils et vos frères, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Amen. Genèse, makumi ine na kenda. Mstari wa 5 na 6. Genèse 29. 49. Genèse 49. 5 à 6, nous lisons. Alors,
Amen. Amen. Inua mikono yako juu. Est-ce que tu peux pas élever ta main? Nataka ule anisaidie pale. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Dis Seigneur Jésus. Na unitengenezee microphone kidogo niongezee sauti. Sauti yangu iko chini kidogo. Inua mikono sema Bwana Yesu. Dis Seigneur Jésus. Mangaribi ya leo. Ce soir. Natangaza. Je déclare. Ongeza sauti kidogo sema natangaza. Je déclare. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Ninaposikia neno lako neno lako lijenge maisha yangu naweka msingi wangu kwa neno lako naweka maisha yangu kwa neno lako naachilia roho ambaye anakaa kwenye neno atawale maisha yangu magharibi ya leo katika jina la Yesu inua mikono vizuri sasa mahali umekasema Bwana Yesu selalamika Bwana Yesu Bwana Yesu magharibi ya leo natoka kwa laana je quitte la malédiction natoka kwa laana je quitte la malédiction naingia kwa baraka yangu et j'entre dans ma bénédiction natoka kwa laana je quitte la malédiction naingia kwa baraka yangu et j'entre dans ta bénédiction lalamika mara tano sema natoka kwa laana je quitte la malédiction naingia kwa baraka yangu et j'entre dans ma bénédiction sijasikia ukisema vizuri sema natoka kwa laana je quitte la malédiction naingia kwa baraka yangu natoka kwa laana naingia kwa baraka yangu sema natangaza amelaaniwa yule mtu aliyewekwa kwa msalaba Yesu aliwekwa kwa msalaba ili achukue laana yangu prendre ma malédiction aondoe laana pour enlever ma malédiction na mimi nipokee baraka que je puisse recevoir la bénédiction sema natangaza leo je le déclare aujourd'hui natoka kwa laana je quitte la malédiction naingia kwa baraka et j'entre dans la bénédiction katika jina la Yesu nom de Jésus chochote kilikuwa kinanilaani tout ce qui me maudissait kinaondoka kwa maisha yangu chochote kililaani jamaa yangu kinaondoka kwa maisha yangu chochote kililaani kazi yangu biashara yangu afya yangu pesa yangu vision yangu laana yoyote haina uweza juu yangu maana Yesu alichukua laana akaiweka kwa msalaba akaiaibisha msalabani akaimaliza msalabani na magharibi ya leo napokea baraka yangu napokea baraka yangu katika jina la Yesu anza kusema baraka juu ya maisha yako katalabusia tangaza baraka juu ya maisha yangu tangaza baraka tangaza baraka tangaza baraka juu ya maisha yangu tangaza baraka la brosa katala bosa rosh halibalus libra zoto lobosai Le brazo tala baba baboshika katika jina la Yesu katika jina la Yesu wewe jitangazie baraka leo declare la bénédiction sur ta propre vie mali walikulaani tangaza baraka mali walisema hutaweza tangaza baraka kile shetani alikuambia hutaweza tangaza baraka tangaza
baraka. Proclame la bénédiction. Tangaza baraka. Proclame la bénédiction. Biblia inasema wamebarikiwa. La Bible dit que tu es béni. Wanaolitia jina la Bwana. Ils sont bénis tous. Baraka ya Mungu inatembea mahali hapa. Et la bénédiction de Dieu est en train de se. Leo unatoka kwa laana unaingia kwa baraka. Tu es en train de quitter la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Katika jina la Yesu. Au puissant de Jésus. Baraka yako iwe na mimi. Baraka yako iwe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Kwa mkono wako kweli ulinibariki. Kwa mkono wako baraka zako ziwe na mimi. Na macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Mkono wako kweli unanibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi. Yes, Lord Jesus. Macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako yawe na mimi. Yes, Lord Jesus. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Mkono wako kweli umenibariki. Bariki mkono wako kweli ibariki. Baraka zako inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Inua sauti kidogo, sema Bwana Yesu. Magharibi ya leo nataka baraka mupya ingie kwa maisha yangu. Fanya kitu kipya kiingie katika maisha yangu katika jina la Yesu. Ondoe laana na ulete baraka kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, neno lako linasema baraka zako azileti uzuni, zinaleta furaha, zinaleta baraka ya kuongezeka.
Mangaribi ya leo. Ce soir. Tosha uzuni kwa maisha yangu. Le souci dans ma vie. Sema we roho ya uzuni. Toi le souci. Toka. Achilia maisha yangu. Sors de ma vie. Napokea baraka ya Bwana. Je reçois la bénédiction de Dieu. Ipokee kama unaipokea kwa jina la Yesu, ipokee kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mandiko inasema. La parole de Dieu dit ceci. Nataka unifuate vizuri. J'aimerais que tu puisses me suivre attentivement. Naamini mangaribi ya leo. Je crois que ce soir, kuna mtu hapa atabarikiwa. Il y a quelqu'un qui sera béni. Alléluia. Amen. Kuna mtu atatoka kwa laana. Il y a quelqu'un qui va quitter la baraka. Na kuna mtu ataingia kwa baraka. Il y a quelqu'un qui va entrer dans la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuna watu wanasema. Il y a des gens qui ont dit. Ya kwamba sisi kwa kizazi chetu. Que nous dans notre famille. Kuna uchawi ambao sio usioachia watu wafanikiwe. Que il y a une sorcellerie qui ne permet pas aux gens d'évoluer. Ama kuna mazabau. Il y a des hôtels. Inaosababisha watu wasiweze kufanikiwa. Qui bloque les gens à faire quelque chose. Mangaribi ya leo unasema ile uchawi itaanguka. Et ce soir tu dis que cette sorcellerie. Nasema itaanguka kwa jina la Yesu. Haleluya. Maandiko inasema. La Bible dit ceci. Tumesoma kitabu cha Kutoka. Nous avons lu dans le livre d'Exode. Makumi tatu na mbili kuanzia makumi mbili na sita hadi makumi mbili na kenda. 32 en commençant par le 26e verset jusqu'au 29e. Sasa maandiko inasema hivi. La Bible dit ceci. Ya kwamba mtumishi wa Mungu. Que le serviteur de Dieu. Anaitwa Musa. Qu'on appelait Moïse. Anaenda mlimani kutafuta uso wa Bwana. Il est monté à la montagne pour chercher la face de Dieu. Nashukuru ya kwamba hii ni wakati wa maombi. Et je bénis Dieu parce que ça c'est le moment, le temps de la prière. Alléluia. Amen. Neno nasema anaenda kutafuta uso wa Bwana. La Bible dit qu'il est allé chercher la face de Dieu. Ili apokee zile amri kumi za kutoka kwake Mungu. Pour recevoir les 10 commandements de la part de Dieu. Maandiko inasema. Et la Bible dit ceci. Akiwa juu mlimani. Et pendant qu'il était là-bas à la montagne. Mungu anamwambia, Dieu lui a dit ceci. Ya kwamba usihangaike. Il faut pas wale watu ambao unaenda unaenda kuombea. Et c'est les gens pour qui tu es venu demander. Tayari wametoka kwa njia za Bwana. Là en bas ils ont déjà quitté les voies de Dieu. Kwa hivyo usihangaike. Il faut pas te tourmenter. Hao watu ni waasi. Et ces gens là ce sont des gens qui n'ont pas un bon. Hao watu wameacha njia za Bwana. Et ces gens là se sont détournés des voies de Dieu. Na maandiko inasema. Et la Bible dit ceci. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, wewe uniache niangamize hawa watu. Et Dieu a dit à Moïse, laisse-moi, moi je vais terminer avec ces gens-là. Alléluia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Unajua kuna kitu cha muhimu kama kuwa na mtumishi wa Mungu katika maisha yako. Vous savez, il y a pas quelque chose de très important d'avoir un homme de Dieu dans votre vie. Haleluya. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba Mungu akataka kuangamiza watoto wa Israeli. La Bible dit ceci, Dieu voulait punir les enfants d'Israël. Lakini katika maandiko haya tunaona. Et dans les écritures que nous avons lues ici. Kuna Mungu. Il y a un Dieu. Kuna Mungu. Là Dieu ambaye hakuna mtu anaweza kubadilisha mawazo yake. Que il y a personne qui peut changer les voies de Dieu. Hallelujah. Yani Mungu akisema atatenda. Si Dieu a déjà parlé, s'il a promis quelque chose, il va l'accomplir. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kubadilisha mawazo ya Mungu. Et il y a personne ne peut changer les voies de Dieu, la pensée de Dieu. Na katika maandiko tunaona mtumishi wa Mungu. Et dans ces écritures nous avons vu un serviteur de Dieu. Mungu anamwambia, Dieu lui a dit, nitamaliza watu. Que moi je vais tuer ces gens. Na maandiko inasema. Et la Bible dit ceci. Na mtumishi wa Mungu. Le serviteur de Dieu. Nataka usikie hiyo neno. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Anaitwa mtumishi wa nani? On l'appelle mtumishi wa nani? On l'appelle qui? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Hajaitwa mtumishi wa watu. No, on l'appelle pas serviteur des gens, non. Anaitwa mtumishi wa nani? On l'appelle serviteur de qui? De Dieu. Hallelujah. Sasa neno nasema mtumishi wa Mungu Musa. La Bible dit le serviteur de Dieu Moïse. Anaanza kuongea na Mungu. Il commence, il est en train de parler avec Dieu. Anamkumbusha Mungu agano lake. Il a rappelé à Dieu son alliance. Ya kwanza anamwambia Mungu. Premièrement, il lui a dit, kama utamaliza watu, si tu veux tuer ces gens, watu watasema, les gens vont parler, ils vont, wewe ni Mungu mubaya, toi tu es un mauvais Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akusaidie kuelewa vile nasema magharibi leo. Dieu t'aide à comprendre ce que j'aimerais te dire ce soir. Maandiko inasema hivi. Et les écritures disent ceci. Ya kwamba akamkumbusha agano ambalo Mungu alisema na mtumishi wake Abraham. Il lui a rappelé l'alliance qu'il a faite avec son serviteur Abraham. Akamwambia kumbuka agano uliweka na Ibrahim, na Isaka, na Jacob. Il a dit rappelle-toi de l'alliance que tu as fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Akamwambia uliapa kwa nafsi yako. Et il a dit que tu as juré. Ya kwamba utawabariki na kizazi na vizazi vyao. Et tu vas les bénir et tu vas bénir leur génération, leurs enfants. Sasa wewe Mungu unaweza je kugeuka kwa neno lako? Maintenant comment toi Dieu tu peux changer ta parole? Neno inasema naye Mungu akashawishika na maneno ya mtumishi wa Mungu. Et la Bible dit que Dieu aussi a été convaincu par cette parole là de l'homme de Dieu. Mimi nasema magharibi ya leo unahitaji mtumishi wa Mungu kwa maisha yako. Et je te dis ce soir tu as besoin de l'homme de Dieu dans ta vie. Hallelujah. Unaweza kuingia hapa. Tu peux entrer en ce lieu. Shetani alikuwa amekuandalia vitu vibaya. Et le diable avait déjà préparé de mauvaises choses. Lakini kwa sauti ya mtumishi wa Mungu. Seulement par la parole de Dieu. Vile vitu vinatoka na wewe unabarikiwa. Quitte et tu es béni. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu, le serviteur de Dieu, anabadilisha mawazo ya Mungu. A changé la pensée de Dieu. Mimi nasema kile kijabadilika kwa maisha yako kitabadilika leo. Je te dis ce soir, ce qui n'a pas encore changé dans ta vie, ça va changer ce soir. Katika jina la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Maandiko inasema. Et la Bible dit ceci, ya kwamba alipobadilisha mawazo, quand il a changé ses pensées, neema ya Mungu ikafunika taifa ya Israeli. Et la grâce de Dieu a couvert le peuple d'Israël. Unajua kuna watu wako hapa wamefunikwa na neema ya hii kanisa. Vous savez il y a des gens qui sont ici qui sont couverts qui marchent. Siseme amen kama unaamini. Hallelujah. Hallelujah. Yani hata kama kuna kitu adui alikuwa amepanga juu yako. Même s'il y a quelque chose que l'ennemi était en train de préparer contre toi. Kwa sababu umeingia katika hii hema. Seulement parce que tu es entré dans cette neema ya hii kanisa. La grâce de cette église. Inaondoa vitu vibaya. Na inaweka baraka kwa maisha yako. La bénédiction d'Abraham. Mimi nasema baraka ya madhabahu ipokee kwa jina la Yesu. La bénédiction de cette alliance reçoit cela dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Maandiko inasema Musa anashuka kwenye mlima. Et la Bible dit que Moïse maintenant pendant qu'il descendait de la montagne, anashuka kuchini ya mlima. Il est descendu au bas de la montagne. Anakuta watoto wa Israeli wanaomba Mungu wa ngombe. Ils ont trouvé les enfants d'Israël en train de prier les dieux de veaux. Kwa nini walikuwa wanaomba Mungu wa ngombe? Pourquoi ils priaient ces dieux là? Walianza kusema huyu Mungu tumemuomba, tumemgojea mtumishi wake lakini anachelewa. Ils ont dit que non ces dieux là que nous prions, nous avons prié et nous attendons son serviteur, il a beaucoup de temps. Mwambie jirani yako Mungu hajachelewa. Dis à ton voisin que Dieu mwambie vizuri, mwambie God is never late. Mungu hajachelewa. Dieu n'est jamais en retard. Mungu anakuja kwa wakati. Dieu vient dans son temps. Hallelujah. Kama hakukufikia jana atakufikia hata leo. Si il n'est pas arrivé hier, il peut arriver même aujourd'hui. Hallelujah. Mwambie mwenzako baraka yako hakuna mtu atachukua. Dia ton voisin, il y a personne qui va prendre. Baraka yako ni yako wewe. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Hallelujah. Mimi nasema umebarikiwa kwa jina la Yesu. Je suis béni au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Hakuna mtu anaweza kuchukua kile Mungu amekuandalia. Il y a personne qui peut prendre ce que Dieu avait préparé pour toi. Hallelujah. Ebu inua mkono wako sema Bwana Yesu. Roho yoyote iliyonionyesha kama nimechelewa. Tu sais qui me dit que je suis en retard. Natangaza magharibi ya leo. Ce soir. Mungu wangu hajachelewa. Mungu wa bread of life. Le Dieu de bread of life. Anakuja kwa wakati. Il vient dans son temps. Na magharibi ya leo. Ce soir. Hata kile kilichelewa kitakuja kwa wakati katika jina la Yesu. Oh my God. Utaolewa kwa wakati. On va te marier dans ton temps. Utaanza biashara kwa wakati. Tu vas commencer tes affaires. Utasafiri kwa wakati. Tu vas voyager dans ton temps. Kalabrozaka. Yani ile wakati wengine wanasema wakati wako umeisha, ndio ile wakati na yeye Mungu anaanza na wewe. Quand les autres te disent que non tu as retard. Oh my God. Wakati watu wameandika historia yako na wanasema historia ya huyu imefika mwisho, tumemaliza na yeye, wakati wanafunga kitabu, ndio pale Mungu anafungua chapitre mpya. Anafungua chapitre mpya kwa maisha yako. Mimi nasema Mungu afungue chapitre mpya. Afungue kitabu yake. Na kifungue ile kitabu, jina yako ipatikane pale. Katika jina la Yesu. Jina yako ipatikane na isemekane wakati wa huyu mama, wa huyu baba, wa huyu dada wakubarikiwa. Ile wakati inafanya nini? Inafika. Mimi nasema Mungu atakufanya surprise magharibi ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Ikiwa unaingia kwa mawazo ya kuchelewa, quand tu entres dans cette pensée là d'être en retard, utaenda hata kwa watu ambao sio wa kiwango yako. Tu vas aller même vers les gens qui ne sont pas à ton niveau. Utaenda kuomba ushauri kwa watu ambao haufai kuomba ushauri. Tu vas aller même demander conseil auprès des gens chez qui tu ne peux même pas aller demander. Mimi nasema baraka yako ikuje kwa wakati. Je dis que ta bénédiction vient katika jina la Yesu. Na watu wengine hapa hii mwaka haitapita. Itakuwa ni wakati wako. Milango iliyofunga itafunguka. Neema ambayo utakutana nayo utakutana nayo. Mahali hujafika utafika. Kwa sababu Mungu wetu hajachelewa. Kama ningejua Francais ningesema vizuri. Si je connaissais. Unasema nini Mungu hajachelewa kwa Francais? Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Ah, hiyo iko nguvu sana. Iko nguvu. Okay. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Oh my God. Mimi nasema Dieu n'est pas en retard kwa ndoa yako, kwa biashara yako, kwa maisha yako, kwa kizazi yenu, kwa jamaa yenu. Dieu n'est pas en retard. Wengine hapa wewe ni mpangaji, utajenga nyumba yako. Wengine hapa wameajiriwa, lakini utaanzisha inaitwa nini? Nisikie wanasema societe yako. Utaanza societe yako. Katika jina la Yesu. Dieu n'est pas en retard. Umefika miaka 35 ujalewa. Mimi nasema Dieu n'est pas en retard. Umekuwa mpangaji miaka 20. Mimi nasema Dieu n'est pas en retard.
makala bosikili bayanda. Mimi nasema utatoka kwa mgongo utakuya mbele na nyota yako itangara. Tu vas quitter la derrière, tu vas venir ici devant. Tu n'es pas arrêté. Leo nimekuja kuzungumzia wale watu wanaonekana ni kama wako kwenye mgongo. Aujourd'hui je vais parler aux gens. Mimi nasema wakati wako wa kukaa kwenye mgongo inafika mwisho. Hallelujah. Dieu n'est pas arrêté. Mimi naanza kupenda hii français sasa. Je commence à aimer le français. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Weka mkono kwa kichwa yako. Sema Bwana Yesu. Badilisha mawazo yangu. Change ma façon de ile pepo ya kunionyesha nimechelewa. Cet esprit là qui me montre que je suis en retard. Ninaitosha kwa maisha yangu. Mungu wangu hajachelewa. Mon Dieu n'est pas en retard. Maombi yangu haijachelewa. Mes prières ne sont pas. Ninaposikia neno lako. Pendant que j'écoute ta parole. Natangaza mbingu ikuwe wazi. Je déclare que les cieux s'ouvrent. Na malaika wa Bwana alete majibu leo. Et que l'ange de Dieu puisse amener la réponse aujourd'hui. Katika jina la Yesu. Ni nani alikuambia umechelewa? Qui t'a dit que tu es en retard? Ni nini kinakuonyesha umechelewa? Qu'est-ce qui te montre que tu es en retard? Mimi nasema haujachelewa. Je te dis que tu n'es pas en retard. Kwa nini mimi nasema hivyo? Pourquoi je dis cela? Mungu hawezi kuinua mtu kabla hajamtengeneza. Vous savez, Dieu ne peut pas élever quelqu'un sans l'avoir préparé, arrangé. Wengine hapa ni maministre wa kesho, Mungu anawatengeneza. Les autres, ce sont des ministres de demain, Dieu est en train de les préparer. Wengine ni mamilionea wa kesho, Mungu anafanya nini? Anawatengeneza. Dieu est en train de vous préparer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama ni anglais ningesema you are a product in the making. Kama ni mwanglais tutasema tu es quelqu'un qui tu es dans le processus de production. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Umeshaona unakula chakula kile kimeharakishwa, kile chakula hakitaiva vizuri. Vous savez quand tu manges quelque chose ile banaita fast food bia kupika mbio mbio akina kia bien. Inapaswa kile chakula kiandaliwe kipikwe vizuri ili ukila useme nataka kula tena. Ça soit bien préparé. Quand tu manges là tu dis que non j'ai. Na wewe pengine Mungu leo anakuandaa. Dieu est en train de te préparer. Anakuandaa. Il te prépare. Na kesho watu watakutamania. Demain les gens vont t'envier. Alléluia. Come on. Hallelujah. Maandiko inasema Musa anashuka kwenye mlima. Et la Bible dit que Moïse est descendu de la montagne. Anakuta wale watu wanasema nimeomba sana, nimengojea Mungu sana, sijaona majibu. Et il a trouvé les gens qui disent que non, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup demandé à Dieu et jusque là il y a pas de réponse. Anakuta wale watu wanaomba Mungu wa ng'ombe. Et il a trouvé les gens qui priaient les dieux des taureaux. Wameyayusha dhahabu, wametengeneza Mungu wa ng'ombe. Et ils ont renversé les autels et ils ont préparé un veau sur l'autel. Hallelujah. Amen. Sasa Biblia inasema. Et la Bible dit ceci. Musa akasimama mbele ya malango ya Israeli. Et Moïse s'est tenu devant les enfants d'Israël. Akapiga sauti akasema. Et il a dit ceci. Ni nani ambaye? Qui atasimama upande wa Bwana? Qui va venir du côté de l'Éternel? Hallelujah. Na hapa bread of life. Et ici à bread of life. Mungu anauliza, ni nani ambaye? Qui atasimama upande wa Bwana? Va venir du côté de l'Éternel. Neno linasema Israeli yote wakakataa kusimama upande wa Bwana. Et la Bible dit que tout Israël a refusé d'aller du côté de l'Éternel. Wakasema sisi tutaomba Mungu wa ng'ombe. Et ils ont dit que nous allons prier le Dieu là. Wakasema wewe ng'ombe ndio ulitutoa nchi ya Misri, ukatulisha jangwani, ukatuleta mpaka hapa. Ils ont dit que c'est toi le veau là qui nous a fait quitter l'Égypte et tu nous as fait manger dans le désert et tu nous as amené jusqu'ici. Maandiko inasema. Et les écritures disent ceci. Watoto wawili wa Jacob.
Il y a deux enfants de Jacob. Simeon na Levi. Levi et Simeon. Wakasimama upande wa mtumishi wa Mungu. Et ils sont allés du côté de l'homme de Dieu. Ukisoma Mwanzo makumi ine na kenda tano na sita, inasema baba yao wakuwazaa aliwalaani kwa sababu ya matendo yao. Si vous lisez Genèse 45, 6, 5 et 6, vous allez, ils disent que leur papa les avait maudits à cause de leurs œuvres. Walimwaga damu isiyokuwa na hatia. Et ils ont fait couler le sang inutilement. Kwa sababu walitaka kutetea mdogo yao mwanamke aliyebakwa na mataifa ambao walikutana nayo njiani. Parce qu'ils voulaient protéger leur sœur avec les nations quand ils quittaient les, dans, ils se sont rencontrés avec dans les désert. Maandiko inasema walikuwa wakalaaniwa kwa sababu ya hasira yao. Et la Bible dit qu'ils ont été maudits à cause de leur colère. Maandiko inasema ya kwamba Jacob akafa lakini masemo yake ikabakia kwa watoto wake. La Bible dit que Jacob était mort mais ses paroles étaient restées sous ses enfants. Nimekuja niambie mtu mangaribi ya leo. Retire quelqu'un ce soir. Laana yoyote haiwezi kukukamata bila sababu. Toute malédiction sans cause ne va pas t'atteindre. Na kama kuna mtu alikuambia umelaaniwa, hiyo laana tunaifuta kwa jina la Yesu. Si quelqu'un t'a dit que tu es maudit, cette malédiction là nous la levons dans le nom puissant de Jésus. Yule anaweza kukulaani ni yule ambaye ana mamlaka juu yako. Et celui qui peut te maudire c'est celui qui a l'autorité sur toi. Mtu wa kwanza mwenye mamlaka juu ya maisha yako ni yule mzazi alikuzaa. Et le premier homme qui a l'autorité sur ta vie c'est les parents, celui qui t'a mis au monde. Ukisoma Waebrania 7:7 inasema ya kwamba yule mkubwa anabariki yule mdogo. Et quand vous lisez Hébreux 7:7, vous allez dire, vous allez que celui qui est l'aîné, le premier, il a béni l'enfant. Na mzazi anabariki mtoto wake. Et tout parent bénit son enfant. Alléluia. Kama mzazi wako anakubariki. Si tes parents, ton père te bénit. Hata wachawi wote wafasi unakaa wasimame. Même tous les sorciers de là où tu restes, c'est ile laana haitakukamata. Cette malédiction là sera sans effet. Kwa sababu maandiko inasema yule mwenye mamlaka ndiye ana nguvu ya kubariki na kulaani. Parce qu'il dit celui qui a le pouvoir de bénir et de maudire. Kwa mfano katika ile kanisa. Par exemple dans cette église. Yule ana baraka ya kukubariki ni baba yako wa kiroho peke yake. Celui qui a la bénédiction, celui qui doit te bénir c'est lui. Tuseme amen kama unaamini hivyo. Amen. Alléluia. Hata upate nabii kule barabarani akwambie utabarikiwa, ile baraka haitafika. Même si tu trouves un prophète dans la route là-bas il te. Yule mwenye mamlaka ni yule amepewa mamlaka na maandiko na mbingu inamkubali. Et celui que le ciel accepte. Hebu inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Inua mikono vizuri, ni wakati wa kubarikiwa. Sema Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Natangaza. Hata kama walinilaani. Kwa baraka ya baba wangu wa kiroho. Malaana yote na masemo mabaya inavunjika kwa jina la Yesu. Suinue sauti, sema Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Natangaza masemo yoyote. Masemo ya mafundo. Masemo ya vizila. Maagano yote walisema kwa maisha yangu. Wakasema sitaona baraka. Mangaribi ya leo. Kwa sauti ya mtumishi wa Bwana. Ndani ya hii madhabahu. Na aliansi ya hii madhabahu. Aliansi ya Bread of Life. Natangaza leo. Laana inavunjika. Na baraka inaingia kwa maisha yangu. Mimi nasema baraka itakukamata, itakamata watoto wako, itakamata watoto ya watoto wako. Des enfants de tes enfants. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Hata kama pale unaishi kuna mchawi. Même si là où tu vis il y a un sorcier. Wewe omba Mungu na ulale usingizi. Wachawi hawana uweza juu yako. Et ce sorcier là n'a pas de pouvoir sur ta vie. Kama umebarikiwa. Si tu es béni. Hata katikati ya wachawi baraka yako itaendelea. Même entouré de sorciers, ta bénédiction va aller de l'avant. Biblia inasema Mungu atakuandalia meza katikati ya maadui wako. La Bible dit ceci, il dresse une table devant. Kwa nini wewe unaogopa maadui? Mais toi tu as peur de tes. Ukiona maadui, uone upande mwingine kuna meza iliyoandaliwa. Les ennemis, comprends que à côté de toi il y a une table qui est déjà dressée pour toi. Ukiona mtu anakuprovoke sana, jua wakati wako wa kubarikiwa inafika. Tu vois quelqu'un te provoquer. Sache que le temps d'être béni est arrivé. Mimi nasikia kuna watu watabarikiwa leo. Kuna watu watabarikiwa leo. Kuna watu watapokea neema mpya. Kuna watu wataingia dimensio ingine. Kuna watu wataingia kiwango ingine. Kuna watu neema ya Mungu itawaangukia leo. Kuna watu watafika mahali hawajafika tena. Kuna watu watafanya mambo ya kushangaza na ya kustajabisha katika jina la Yesu. Aliyelaaniwa anaweza kubarikiwa. Tout celui qui a été maudit, il peut être béni. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Baba yao anawalaani. Leur papa les a maudits. Hallelujah. Na yeye Mungu anatumia baba wa kiroho kuwabariki. Mais Dieu a utilisé leur père dans la foi spirit pour les bénir. Hata kama hauna mzazi wako hujui baba yako. Même si tu n'as pas de parents, tu ne connais même pas ton père. Baba yako wa kiroho huyu hapa. Baba, ton père spirituel est là. Hata kama hujui baba yako ni nani. Même si tu ne connais pas ton père. Huyu baba baraka yake itakuinua. Mais c'est papa ici, sa bénédiction va t'élever. Hallelujah. Sema Bwana Yesu. Di Seigneur Jésus. Kutoka leo. En commençant. Maisha ya mateso na laana. La vie de la souffrance et de la maladie. Inaanguka kwa jina la Yesu. En train d'être tombé. Hallelujah. Wacha nikufungue macho. J'aimerais t'ouvrir les yeux. Elia anapanda kwenda juu. Elie est en train de monter. Eh, munamuita Elia Elise. Elie. Eli anaenda juu. Eli est en train de monter. Sasa wakati wanafika katika wanafika katika mto Jordan. Et pendant qu'ils sont arrivés au Jourdain, Eli anachukuliwa. Eli était en train d'être enlevé. Na Elisha anaanza kulia. Et Elisha est en train de pleurer. Oh baba yangu. Oh mon père. Oh baba yangu. Oh mon père. Oh baba yangu. Oh mon père. Wakati anasema baba yangu. Quand il disait mon père. Elia bado anaenda. Eli est en train de monter. Alipokuwa kienda. Et pendant qu'il montait. Akaona mambo ibadiliki. Et il voyait rien de changement. Akageuza masemo. Il a changé. Akasema baba yangu. Il a dit mon père. Ambaye ndio magari ya moto ya Israel. Le char de feu d'Israël. Maandiko inasema lile vazi la Elia likaanguka likapasuka likamwangukia Elia. Elia kalikamata akaenda Jordan akapiga maji maji kapasuka. Le manteau d'Elie est tombé sur lui et il a pris ça, il est allé frapper au Jourdain et l'eau était divisée en deux. Ninajaribu kusema nini? J'aimerais dire quoi? Kama bado unaona baba yako wa kiroho kama baba. Si tu vois ton père spirituel comme père, tu le considères comme père, hautabarikiwa. Tu ne seras pas béni. Lakini ukiona Mungu aliyemuita akampa agano, umuone yule Mungu aliye ndani yake, yule Mungu atakubariki. Maintenant si tu vois le Dieu là qui lui a donné ses pouvoirs, si tu vois Dieu en lui, je te dis que tu seras béni. Alléluia. Ebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Di Seigneur Jésus. Inua mikono vizuri, sema Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Malaana yote. Toutes les malédictions. Ambayo ilikuwa inanisumbua. Qui est en train de me tourmenter.
kwa masemo ya baba yangu. Sur les paroles de mon baba père. Yangu wa kiroho. Mon père spirituel. Natangaza maneno yake. Je déclare. Yana uweza. Yana agano. Na mangaribi ya leo. Wewe ni Mungu wa agano. Ninatangaza. Je déclare. Baraka iliyo ndani yake. Les bénédictions qui sont en lui. Hata kama kwetu kutumelaaniwa. Même si chez nous nous sommes bénis. Baba yangu anabeba baraka. Mon père transporte la bénédiction. Na ninadeklare mangaribi ya leo. Déclare ce soir. Malaana itoke. Les malédictions puissent tomber. Na baraka ya baba yangu wa kiroho itawale. Les bénédictions de mon père spirituel puissent entrer. Katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. Hiyo ni dimension nyingine. Ça c'est une autre dimension. Natsema Mungu akuingize kwa kitu kingine. J'aimerais que Dieu te fasse tu fasses. Mimi naongea hivi nilikuwa naomba leo mchana Mungu akanionyesha kuna milango itafungukia watu bila kutarajia. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour les gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Maandiko inasema ya kwamba wale watoto wa Jacob. Et la Bible dit que les enfants de Jacob. Baba yao anawalaani. Leur papa les avait maudits. Anasema mulaaniwe kwa sababu ya hasira yenu. Soyez maudits à cause de votre incrédulité. Kwa sababu muliua watu wasiokuwa na hatia. Parce que vous avez tué des gens sans cause. Na damu ya wale watu ikingali inasema juu yenu. Et c'est le sang là de ces gens est en train de. Akawaambia mutatawanyika hamtakuwa na makao. Il leur a dit que on va régner sur vous et vous n'aurez même pas de terre. Maandiko inasema wakati mtumishi wa Mungu aliuliza. Et maintenant la Bible dit que pendant que l'homme de Dieu ni nani ambaye qui atasimama upande wa Bwana. Viendra du côté de l'Éternel. Mungu anatafuta hata watu 50 hapa. Dieu a besoin même des gens. Wale watasimama upande wa Bwana. 15-20 qui vont se tenir de son côté. Biblia inasema ya kwamba Simeon. La Bible dit que Simeon na Levi et Levi waliolaaniwa na baba yao qui ont été maudits par leur père wakasimama upande wa Bwana. Sont allés du côté de l'Éternel. Naye Mungu maintenant Dieu akiwa mbinguni akawaangalia qui était au ciel qui était en train de akaona shida yao watu ni roho ya hasira. Et il a vu que le problème de ces gens c'était les ces cœurs là la malédiction là qu'on les avait maudits. Akasema leo nitamaliza ile hasira. Il a dit non aujourd'hui je vais terminer cela. Nitavunja ile laana. Je vais briser cette malédiction. Akaambia Musa mtumishi wake. Il a dit à son serviteur Moïse. Mwambie Levi na Simeon wakamate upanga. Et dit à Levi et Simeon de prendre l'épée. Na kila mtu ambaye aliomba Mungu wa dhahabu, Mungu wa ngombe. Et tout celui qui a prié le Dieu là de veaux, waingie katikati ya kambi ya Israeli waanze kuwakatakata. Qu'ils entrent maintenant dans les enfants d'Israël, ils commencent à les tuer. Unaona kama unasimama upande wa Mungu. Vous savez quand vous êtes du côté de l'Éternel, kile kinakutesa ndio Mungu atatumia kukukomboa. Ce qui te fait souffrir là, c'est ce que Dieu va utiliser pour te sauver. Hallelujah. Yes. Wow, ilikuwa ni hasira. Pour eux, c'était une malédiction. Na ilikuwa hasira ya kuua. Et cette malédiction là, c'était à cause parce qu'ils avaient tué. Mungu akasema watoto wa Israeli wamenikataa, wameomba ngombe ya dhahabu. Et là, Dieu a dit que non, les enfants d'Israël m'ont refusé et ils sont en train de prier ces dieux là de veaux. Lakini hao waliolaaniwa na baba yao. Mais ceux-là, ces gens qui ont été wamenikubali mimi. Ils m'ont accepté moi. Sasa nitatumia hasira yao kujitakasa. Et je vais utiliser leur malédiction là-bas. Wakaingia katika kambi ya Israeli. Ils sont entrés dans les camps. Neno linasema wakaua watu 3000. Et la Bible dit qu'ils ont tué plus de 3000. Na Mungu akasema imetosha. Et Dieu a dit non maintenant ça c'est. Hasira yangu imeondoka katika Israeli. J'enlève cette malédiction là. Neno linasema Mungu akamwambia mtumishi wake Musa. Dieu, la Bible dit que Dieu a dit à son serviteur Moïse. Waite Simeon na Levi. Qu'on appelle Simeon et Levi. Waka akawaambia. Il leur a dit ceci. Waambie kutoka leo. Dis-leur que en commençant par aujourd'hui. Wajitakase. Qu'ils se sanctifient. Maana kutoka leo.
En commençant par aujourd'hui, wanatoka kwa laana, wanaingia kwa baraka. Ils ont quitté la malédiction pour rentrer dans la bénédiction. Hebu ambia jirani yako kuna baraka na kusimama katika mapenzi ya Mungu. Vous savez, dis à ton voisin qu'il y a une bénédiction en restant dans la volonté de Dieu. Alléluia. Umesema nini? Il y a une bénédiction quand tu restes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ukisimama upande wa Bwana. Si tu es du côté de l'Éternel. Hata kama kwenu ulilaaniwa. Même si chez vous vous avez ile baraka ya Mungu itakukamata. Cette bénédiction là de Dieu va toucher ta vie. Alléluia. Maandiko inasema akawaambia mujitakase. La Bible dit il leur a dit de se sanctifier. Akasema ya kwamba watabarikiwa. Et il leur a dit vous serez bénis. Na akawaambia kutoka leo wanaingia kizazi cha kikuhani. A commencer par aujourd'hui vous allez entrer dans dans les sacerdoces. Donc ebu fikiria, watu waliua watu sasa wanageuka wanakuwa watumishi wa Mungu. Vous savez les gens là qui ont tué les gens et Dieu les a transformés pour devenir ses serviteurs. Walilaaniwa na baba yao. Ils ont été maudits par leur papa. Lakini wakati walisimama upande wa Mungu. Maintenant quand ils se sont levés du côté de l'Éternel. Mimi najua ninavyoongea mtu anauliza sasa kusimama upande wa Mungu ni kusema nini? Maintenant quand je parle du côté de l'Éternel. Je ni kusimama hivi. C'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est se tenir comme ça? Apana. Non. Kusimama upande wa Mungu. C'est tenir du côté de l'Éternel. Ni kufanya kile Mungu anataka. C'est faire la volonté de Dieu. Na kile Mungu hataki unakikataa. Et ce que Dieu ne veut pas, toi aussi refuse cela. Hebu inua mikono yako sema Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Ce soir. Lalamika magharibi ya leo. Ce soir. Lalamika tena magharibi ya leo. Ce soir. Naondoka kwa mapenzi yangu. Je quitte ma volonté. Nilianza kutenda mapenzi ya Mungu. Et maintenant j'entre dans ta volonté. Na napotembea kwa mapenzi ya Mungu, baraka ya Mungu inikamate. Maintenant que je marche dans la volonté de Dieu, que ta bénédiction puisse me toucher. Katika jina la Yesu. Au puissant de Jésus. Sema amen. Amen. Sikia sasa vile ilitokea. Sasa écoute maintenant ce qui. Akawaambia. Il leur a dit ceci. Alléluia. Akawaambia mtabarikiwa. Il leur a dit vous serez bénis. Mtaingia kizazi cha kikuhani. Vous allez entrer dans les sacerdotes. Ninyi na vizazi vyenu. Vous et vos enfants. Hallelujah. Unajua unaweza kubarikiwa paka ile baraka yako ivunje kilaana ya vizazi na vizazi iliyokuwa inasimama kwa jamaa yenu. Tu peux être béni et cette bénédiction là va briser. Ça va atteindre les générations et des générations. Alléluia. Nani unasema kwa sababu walisimama upande wa Mungu. La Bible dit que parce qu'ils étaient du côté de l'Éternel. Wakakataa kuomba Mungu wa ng'ombe. Ils ont refusé de prier ce Dieu là. Wakaamua kumuomba Mungu wa Israeli. Et ils ont accepté de prier le Dieu d'Israël. Na wakatii sauti ya mtumishi wa Mungu. Et ils ont accepté la parole, obéir à la parole de l'Éternel. Laana ya baba yao ikatoka. La malédiction de leur père a quitté. Na baraka ya Mungu ikatawala. Et la bénédiction de Dieu est entrée, a régné dans leur vie. Sasa kama wale walilaaniwa na wakabarikiwa. Maintenant, ni nani anakuambia wewe huwezi kubarikiwa? Maintenant, si ces gens-là qui étaient maudits sont bénis. Maintenant, qui t'a dit toi? Qui t'a dit que toi tu es maudit? Hallelujah. Neno yasema akawaambia na kizazi chao. Et il a dit même avec vos enfants. Hallelujah. Maandiko inasema kwa sababu ya ile neno. La Bible dit que à cause de cette parole. Wakati Yesu anaingia katika dunia. Quand Jésus est venu dans le monde. Ukisoma Yohana 4 inasema ya kwamba na ikampaswa ya kwamba Yesu siku moja akapita kwenda Samaria. Et la Bible dit que un jour Jésus est en train de passer pour aller à Samarie. Na neno yasema akaenda akasimama akaketi kwenye kisima cha Jacob. La Bible dit que il est allé s'asseoir, il est allé au puits de Jacob. Neno yasema ilikuwa wakati wa mchana saa 6 ya mchana. La Bible dit que c'était vers les 6h du soir. Hein? 12 hours, saa 6 ya mchana. Donc de 13h des après-midi. Hallelujah.
Na neno nasema Yesu akaingia mwanamke Msamaria anafika saa 6 ya mchana na yeye Yesu anafika saa 6 ya mchana. La Bible dit que la femme samaritaine est arrivée là-bas et Jésus aussi est arrivé aux mêmes heures là-bas. Wakati laana inavunjika kwa maisha yako. Quand la malédiction tombe dans ta vie. Kile ulitesekea miaka makumi mbili. Ce que tu as souffert pour chercher. Kitakuja kwa wakati moja. Ça va venir seulement au même moment. Haleluya. Na mimi naona leo kuna kitu kinatoka kwa maisha yako. Mimi naona malaana inatoka. Na baraka inatawala maisha yako. Haleluya. Neno linasema akafika kwa ile saa. La Bible dit qu'il est arrivé à cette heure là. Na yule mwanamke akafika kwa ile saa. Et cette femme samaritaine aussi est arrivée à cette heure. Akakuta Yesu. Elle a trouvé Jésus. Amekaa kwenye kisima cha Jacob. Et qui était assis au puits de Jacob. Mimi nasema Yesu akalie kisima yako. Et dit que Jésus s'assied. Kisima ni ndoa yako. Kisima ni kazi yako. Kisima ni biashara yako. Kisima ni maisha yako. Kisima ni ile project uko nayo. Nasema magharibi ya Yesu, leo Yesu aikalie ile project. Aikalie maisha yako. Hallelujah. Yesu akakalia kile kisima. Jésus aussi était assis au puits. Maandiko inasema. Et les écritures disent ceci. Yakoba mwanamke msamaria alipofika pale. Pendant que la femme samaritaine est arrivée Yesu là-bas. Yesu akamuomba maji. Jésus lui a demandé de l'eau. Ule msamaria anasema Wayahudi na Wasamaria hawashirikiani. Jésus lui a dit que cette femme là lui a dit qu'il y a pas de relation entre nous. Sasa kwa nini alikuwa anasema hawashirikiani? Il dit pourquoi il y a pas de relation entre nous et vous. Ile Samaria. La Samarie mbeleni ilikuwa inaitwa mji wa Shekem. Et au début là on appelait le pays de Shekem. Na ile Shekem. Et cette Shekem ndio mahali ambapo watoto wa Jacob, Simeon na Levi walimwanga damu. Et c'est là où les enfants de Jacob, Simeon et Levi ont tué là-bas. Sasa kuna tokea mwanamke msamaria anayetoka Shekem ambaye inaitwa Samaria. Et vient maintenant cette femme là de Samarie qui a quitté Shekem comme anafika pale. Quand elle est arrivée là-bas. Anamkuta Yesu. Quand elle a trouvé Jésus. Yesu anamuomba maji anakataa. Jésus lui a demandé de l'eau et l'a refusé. Yesu anamwambia kama ungejua ni nani. Et Jésus lui a dit que si tu connaissais anayekuomba maji. C'est lui qui est en train de te demander de l'eau. Ungenipatia maji ninywe. Tu devais me donner de l'eau pour boire. Maandiko inasema. Yesu alipoona huyu mwanamke aelewi. Jésus quand il a vu cette femme. Akaanza sasa kumwambia mambo ya kiroho. Il a monté des dimensions. Akamwambia. Una wanaume watano. Tu as 5 hommes. Na hata ule wa sita. Même le 6e. Sio mume wako. C'est pas ton mari. Neno linasema mwana macho ya ule mama ikafunguka. La Bible dit que les yeux. Linasema macho yako ifunguke magharibi ya leo. Les yeux s'ouvrent. Macho yako ikifunguka utaona kile hujawahi kuona. Les yeux s'ouvrent, tu vas voir. Utafika fasi hujawahi kufika. Tu vas arriver là où tu n'as pas. Utafanya mambo haujawahi kufanya. Faire des choses que tu n'as jamais rêvé faire. Inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, tunaenda kuomba sasa. Sema Bwana Yesu. Magharibi ya leo. Macho yangu ya kiroho yafungulike. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Macho yangu ya kiroho yafunguke. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Katika jina la Yesu. Sante Jésus. Sasa nikimalizia. Maintenant en terminant. Yule mwanamke alipotambua kumbe Yesu ndio Masia. Maintenant quand la femme a découvert que c'est celui le Messie. Alienda kwao. Elle est rentrée. Akakusanya wanaume wote. Elle a réuni tous les hommes. Akawaambia. Elle a dit ceci. Nilikutana na mwanaume. J'ai croisé un homme. Na yule mwanaume. Et cet homme là. Hakuniomba mwili wangu. Il m'a pas demandé mon corps. Lakini aliniambia mambo yanayohusu maisha yangu. Il a dit les choses qui concernent ma vie. Na Biblia inasema kwa ushuhuda wa yule mama. Et la Bible dit que par le témoignage de cette femme. Mji mzima wa Samaria ukaamini. Toute la ville de Samaria a cru en Jésus. Hallelujah. Ni kusema kwamba.
C'est-à-dire wanaume wa Samaria wakaamini Yesu. C'est-à-dire les hommes de Samaria ont cru en Jésus. Nakumbuka ile mji ndio ilikuwa inaitwa Shechem. Cette ville qu'on appelait Shechem. Na pale ndio wanaume waliuawa na watoto wa Jacob. Là où on avait tué les hommes par les enfants de Jacob. Ni kusema pale. C'est-à-dire là où palipokuwa na laana. Il y avait la malédiction. Baraka ikaingia. La bénédiction est entrée. J'aimerais dire à quelqu'un, mahali ulishindwa, là où tu as échoué, ndio mahali utaweza, c'est là où tu vas réussir. Katika jina la Yesu. Puissant de Jésus. Mahali ulianguka, là où tu es tombé, ndio pale utasimamia. Là où tu vas te relever. My God. Mahali mambo yako ilibomoka, là où tout était détruit, ndio pale baraka yako itaonekana. La bénédiction sera visible. My God. Wanaume walikufa kwa ile mji. Les hommes étaient morts dans cette ville-là. Kwa sababu ya mwanamke alikuwa anaitwa Dina. À cause de la femme qu'on appelait Dina. Ama alikuwa mdogo wa watoto wa Jacob. Qui était la petite sœur aux enfants de Jacob. Mwanamke. Une fille. Akasababisha wale ndugu zake wamwaue watu. Qui a poussé ses frères à tuer des gens. Lakini kwa sababu ya baraka ya Mungu. Mais à cause de la bénédiction de Dieu. Iliyosemekana na mtumishi wa Bwana. Qui a été prononcé par l'homme de Dieu. Simeon na Levi wabarikiwe wao na vizazi vyao. Simeon et Levi qu'ils soient bénis eux et avec toute leur famille, leur génération. Kwa sababu walitii sauti ya Bwana. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Mungu akahakikisha kule kuna susi ya laana, nitaingia huko, nitavunja hiyo laana, nitatosha laana, nitaweka baraka. Dieu a étalé là où il y avait la malédiction, il a mis la bénédiction. Mimi nasema Mungu aingie kwa susi ya problemu yako. Dieu entre dans la source de. Nasema Mungu aingie kwa susi ya biashara yako. Dieu entre dans. Aingie kwa susi ya ndoa yako. Dans la source. Aingie kwa susi ya maisha yako. Inua mikono sema Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Inua mikono bi sema Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Magharibi ya leo. Ce soir. Mimi natangaza. Je déclare. Natangaza leo. Kama laana ilitoka. Si la malédiction a quitté. Mahali kulikuwa na laana. Là où il y avait malédiction. Na baraka ikatawala. Et la bénédiction a régné. Natangaza kwa maisha yangu, inua mikono yako. Sema natangaza kwa maisha yangu. Natangaza kwa maisha yangu. Laana ya kizazi ianguke leo. La malédiction de la famille puisse tomber. Na baraka ya Mungu itawale. Et la bénédiction de Dieu règne. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Simama kwa miguu yako sasa. Tu vas te tenir debout. Nataka useme sema Bwana Yesu. J'aimerais que tu dises Seigneur. Sasa tunaomba dakika tano sema Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Ce soir. Ni mangaribi yangu kutoka kwa laana. Katika jina la Yesu. Wacha nikupatie ushuhuda dakika mbili. J'aimerais te donner un témoignage pendant. Niliombea mtu mmoja. J'ai prié pour quelqu'un. Anaoa miaka 13. Wow. Il a épousé pendant à 33 ans. 13 years. Miaka 13. Marié pendant 33 ans. Miaka 13. 13 ans plutôt. Ok. Hein, gapi? 13 ans. Hiyo kama ni 13 ans. Yes. Ok. Sasa, ule baba, anaoa bibi yake. Ce papa là a épousé sa femme. Wakati anaoa bibi yake ndiye anapoteza kazi na maisha inaingia mateso na mateso na mateso na mateso. Quand il a épousé sa femme, il a perdu son boulot et la vie s'est compliquée donc de mal en pire. Yule baba anakaa miaka 3 hawezi kujinunulia mnaita nini? Hii suruali hivi. Ce papa là, il est resté pendant 3 ans sans même acheter un pantalon. Ile kiatu alitembelea miaka 2 ndio bado anatembelea. Et les chaussures là, donc il a fait avec ça même pendant 2 ans, 3 ans. Ni mtu ana akili, yeye ni engineer.
Et quelqu'un qui est intelligent, qui était ingénieur. Chochote anajaribu hakiendeki. Tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait, ça n'allait pas, ça n'avançait pas. Anaeka maproposo, anafanya chochote anaweza, hakuna kile kinaendeka. Il a demandé, il a fait des demandes d'emploi, rien ne marchait. Mke wake anakuwa anaanza kumulisha. Et sa femme a commencé à le nourrir. Anaanza kujaribu kumvalisha. Sa femme a commencé à le faire vestir. Paka wandugu ya wandugu wa ule mama wakakataa, wakamkataa dada huyu mama yao. Et jusqu'à ce que la famille, les membres de la famille de la femme ont refusé cet homme-là. Yule baba anasema nina akili lakini sielewi ni nini kinasumbua maisha yangu. Et alors ce papa l'a dit, mais je suis intelligent mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait souffrir ma vie. Siku moja bibi yake anampa pesa nyingi, anampatia dola 1500. Et un jour sa femme a eu beaucoup d'argent et lui a donné $500. 5000. Anampatia dola 1500. Il lui a donné $5,000. Ule baba anaenda anafanya investment, ile pesa yote inapotea. Et ce papa là est allé, il a investi ça quelque part et il a perdu tout cet argent. Anapima chochote anaweza kufanya akiendeki. Tout ce qu'il faisait ça ne marchait pas. Sasa ule mama akasikia kuhusu huduma yangu. Et c'est la maman là a écouté ma prédication. Hallelujah. Nikamwambia huyu baba. Et moi j'ai dit à ce papa. Kitu ya kwanza. Premièrement, hauna shida ya pesa. Tu n'as pas les problèmes d'argent. Kile unahitaji. Ce que tu as besoin. Ya kwanza. Premièrement, simama upande wa Mungu. Va du côté de Dieu. Hallelujah. Ukisimama upande wa Mungu. Si tu viens du côté de Dieu. Ata bila pesa. Même sans argent. Mungu atakufungulia njia. Dieu va ouvrir le ciel. Alléluia. Amen. Tukaanza kuomba, tunaomba miezi mbili, miezi tatu. Prier. Naanza kumfundisha. Namfundisha. 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 Baada ya miezi tatu. Après 3 mois. Akawa amekaa kwake nyumbani. Il était chez lui assis. Akakumbuka kuna société moja alikuwa ameandikia kule kunaitwa nini Germany. Il y avait une société là où il avait souscrit, il avait demandé en Allemagne, en Allemagne. Akaanza kuandikia. Il a écrit encore. Mi niko na project iko hivi. J'ai un projet. Lakini sina wafadhili. Là, je n'ai pas de gens pour venir investir. Hallelujah. Yes. Alipotuandika. Mais pendant qu'il écrivait. Wale watu wakajibu. Ces gens-là ont, quand il a écrit, ces gens-là ont répondu. Baada ya miezi ine. Après 4 mois. Wale watu wakamwandikia wakasema. Ces gens-là lui ont écrit, lui ont demandé. Tumejaribu watu wengi katika hii project yetu lakini sasa sisi tunataka kuweka imani kwako. On a été déçus dans ce projet là mais maintenant nous voulons te faire confiance. Wakamfungulia msaada wa dola 1500. Et on a ouvert un compte pour lui de 50 50,000 dollars. $50,000. Hallelujah. Yes. Alikuwa anateseka kiatu kimepinda, hawezi kujivalisha, hawezi kujilisha. Lakini yule mtu mmoja. Mungu anampasulia njia. Mimi nataka niambie mtu mmoja. Kusimama na Mungu. Être du côté de Dieu. Sio maombi. Ce n'est pas la prière. Kusimama na Mungu. Se tenir du côté de Dieu. Ni kutenda kile Mungu anataka. Se faire ce que la volonté de Dieu. Alléluia. Ukishatenda kile Mungu anataka. Si tu fais seulement la volonté de Dieu. Alafu sasa uombe. Maintenant tu pries. Maombi yako haitachelewa. Et ta prière là n'aura pas de retard. Mimi naona saa imeisha. Je crois le temps est fini pour moi. Alléluia. Nataka tu utainua mikono yako. J'aimerais seulement que tu élèves ta main. Nataka uangalie maisha yako. Que tu regardes ta vie. Je unasimama na nani? Tu es de quel côté? Na unasimama kwa njia gani? Et tu es dans quelle voie? Kuna watu mahali hapa Mungu anawaambia. Il y a des gens ici que Dieu est en train de dire. Simama na kazi ya Mungu. Tiens-toi dans l'œuvre de Dieu. Simama na hii kazi ya Mungu iko mahali hapa. Implique-toi dans cette œuvre de Dieu qui se fait. Kama utasikia hiyo sauti leo. Si tu vas écouter cette parole ce soir. Nataka usikae chini ufanye kitu. Je n'aimerais pas que tu puisses rester. Kuna mwingine Mungu anamwambia
il y a quelqu'un d'autre, Dieu lui dit, unakuja kanisani lakini njia zako haziambatani na vile ambavyo unaamini. Tu viens à l'église mais te voilà, ce n'est pas ce n'est pas par rapport à la vision, ce n'est pas par rapport à ce que Dieu demande. Tengeneza maisha yako, arrange ta vie. Simama upande wa Bwana. Sois du côté de l'Éternel. Watoto wa Lawi, wa Levi, wa Jacob walilaaniwa, lakini wakasimama upande wa Bwana. Les Jacob étaient maudits, mais ils se sont tenus du côté de l'Éternel. Inua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Lève ta main, dis Seigneur Jésus. Simama, inua mikono yako juu na kama umeketi usimame, sema Bwana Yesu. Dis Seigneur Jésus. Mangaribi ya leo. Ce soir. Mimi natangaza. Je déclare. Naondoka kwa njia yoyote. Je quitte toutes les mauvaises voies. Ambao sio njia yako. Katika jina la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Mangaribi ya leo. Ce soir. Nasimama kwa njia ya Bwana. Je me tiens dans la voie de Dieu. Katika jina la Yesu. Au nom puissant de Jésus. Kusimama kwa njia ya Bwana. Tenir dans la voie de Dieu. Ni kufanya kile Mungu anataka. Faire la volonté de Dieu. Sema Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Kutoka mangaribi ya leo. En commençant par ce soir. Fungua macho yangu ya kiroho. Ouvre mes yeux spirituels. Ebu anza kujiombea Mungu akufungue macho. Anza kujiombea Mungu akufungue macho. Qu'il ouvre tes yeux. Mwambie Mungu akufungue macho yako. Mwambie Mungu akufungue macho ya kiroho. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels. Kuna watu Mungu anawaita wamtumikie. Il y a des gens que Dieu appelle pour le servir. Kuna watu Mungu anawaita wafanye kazi yake. Il y a des gens que Dieu appelle pour qu'il fasse son œuvre. Kuna watu Mungu anawaita watumike na fedha yao. Il y a des gens que Dieu appelle pour qu'il travaille avec qui. Kuna watu Mungu anawaita waache matendo yao. Il y a des gens que Dieu appelle qu'ils abandonnent leur mauvaise. Kuna watu leo Mungu ana waita. Il y a des gens que Dieu appelle. Anawaita katika huduma. Il les appelle dans. Anawaita ili awabariki. Pour les bénir. Anawaita ili awasaidie. Il les appelle pour les aider. Kalabroze ketele basanda. Shalabrozaya. Shatalaba. Inua mikono sema Baba. Dit Baba. Lalamika Baba. Dit Papa. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Mangaribi ya leo. Ce soir. Natoka kwa kila laana. Je quitte toute malédiction. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Natoka kwa laana. Je quitte toute malédiction. Naingia kwa baraka. J'entre dans la bénédiction. Mahali kulikuwa na laana. Là où il y avait la malédiction. Laana inatoka. La malédiction est en train de quitter. Na baraka inatawala. Et la bénédiction est en train de quitter. Sema Bwana Yesu. Oui, Seigneur Jésus. Mulango yoyote. Toute porte. Ambo shetani alitumia. Akaweka laana. Il a mis la malédiction. Vile nimekanyaga kwa hii mazabao. Natangaza hii mazabao. Inabariki maisha yangu. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Laana ya watoto wa Jacob. La malédiction des enfants de Jacob. Iliondoka. Akite. Na wakabarikiwa. Ils ont été bénis. Mahali palikuwa laana. Où il y avait la malédiction. Laana ikatoka. La malédiction a quitté. Na baraka ikatawala. Et la bénédiction. Sasa inua mikono yako jusema Bwana Yesu. Napokea baraka. Je reçois la bénédiction. Lalamika napokea baraka. Oui, je reçois la bénédiction. Napokea baraka. Je reçois la bénédiction. Baraka kwa kazi yangu. La bénédiction dans mon travail. Baraka kwa biashara yangu. Bénédiction dans mes affaires. Baraka kwa vizio yangu. La bénédiction. Baraka kwa projet yangu. Baraka kwa ndoa yangu. La bénédiction dans mon mariage. Sema mangaribi ya leo. Ce soir. Mazabau yoyote. Sija kusikia sema mazabau yoyote. Iliyogombanisha maisha yangu. Ile mazabau. Inabomoka leo. Inabomoka leo. Mazabau ya ndoa. Mazabau ya kazi. Mazabau ya afya.
madhabahu ya pesa, madhabahu ya jamaa inabomoka leo. Onode, 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 onode. Piga mikono sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, natambuka laana, natambuka laana, kila laana naikanyanga, naibomoa, naivunja kuanzia sasa. Bwana, tenda kitu kipya, tenda kitu mpya katika maisha yangu. Sema magharibi ya leo, nakataa dunia, nasimama upande wa Bwana. Kutoka leo, kile Mungu anataka ndio kile nitafanya, kile Mungu hataki na mimi nakataa. Sema magharibi ya leo, naingia kwa baraka yangu katika jina la Yesu. Sema magharibi ya leo, kamba yoyote iliyofunga maisha yangu inakatika. Onode, onode, onode. Sasa magharibi ya leo, mimi naona watu wanabarikiwa kwa ndoa zao hapa. Naona watu wanabarikiwa kwa makazi yao ya mikono. Naona watu milango inafunguka. Naona baraka ikimwangika. Naona baraka ikishuka. Naona Mungu akikusaidia. Naona kile hukufanya unaanza kufanya katika jina la Yesu. Haleluya. Hallelujah. Sasa kabla sijapatia baba yangu, sijampatia microphone. Avant que je puisse donner au pasteur le micro. Wakati nilikuwa natembea pale, pendant que j'étais en train de marcher là-bas, Mungu ananiambia, unaona hii majengo yote? Dieu me dit, vous voyez cette construction? Hii ni baraka inangojea watu hapa. Ça c'est la bénédiction qui attend les gens ici. Sikia nikuambie. Laisse-moi te dire. Wakati kanisa itajengewa na imalizike. Au moment où l'église va se construire et terminer. Vile inajengwa. La manière dont maisha yako nayo inajengwa. Ta vie aussi sera commencée à être bâtie. Hallelujah. Mukienda inaitwa nini? Nisikie wanasema inaitwa niveau. Mukienda niveau moja. Kama tu, si vous allez au premier niveau. Nayo maisha yako inaenda niveau moja. Ta vie aussi va aller au premier niveau. Mukienda niveau tano. Si vous allez au cinquième. Na maisha yako inaenda niveau tano. Au cinquième niveau. Hallelujah. Amen. Sema Bwana Yesu, weka niveau mpya kwa maisha yangu. Amen. Niveau, katika jina la Yesu. Sasa kwa heshima ya Mungu, mimi nataka wale watu wana wivu. J'ai besoin des gens là qui ont la jalousie. Ouais, hiyo inaitwa nini? Jealousy. Jealous. Yes. Kifaransa unaita nini? Jalousie. Jalousie. Yes. Jalousie. Yes. Okay. Nataka wale wana jalousie. Wale wana kwa na jalousie. Na Mungu wa hii kanisa. Avec le Dieu de cette église. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Nataka tumjengee Mungu. J'aimerais que nous puissions construire pour Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka kama Mungu anaongea na wewe, si Dieu a parlé avec toi, usimame upande wa Mungu. Que tu sois du côté de Dieu. Hallelujah. Tufanye kazi ya Mungu. Que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Kuna mtu anaitwa Nehemiah, aliomba sana. Il y a quelqu'un qu'on appelle Nehemiah. Kile kilifanya Mungu amkumbuke ni kile alifanya mbele ya Bwana. Ce qui a fait que Dieu se souvienne de lui, c'est ce qu'il a fait devant l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nataka watu hapa, ninajua nyinyi ni watu mnamtumikia Mungu. Je sais que vous servez Dieu ici. Nataka tu usimame. J'aimerais que tu te lèves. Mahali huko. Là où tu es. Siku ya Mungu. Le dimanche. Sunday. Le dimanche. Hallelujah. Hallelujah. Uje na sadaka. Que tu viennes avec une offrande. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ni kitu nilikuwa naomba Mungu akaniambia kuna watu hapa watabarikiwa kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Dieu me disait qu'il y a des gens ici qui seront bénis parce qu'ils sont en train de servir le Seigneur. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu soit béni. Mimi najua hapa mmebarikiwa. Je sais que tu es béni. Hata nikisema tutoe dola 10,000 hapa tutatoa tu. Même si je dis on donne 10. Siuseme amen na Mungu akusaidie. Alléluia. Sasa siku ya Mungu. Le dimanche. Alléluia. Weka tafuta kile Mungu anakubariki nacho. Cherche ce que Dieu t'a béni avec. Alléluia. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kulingana na kule Mungu unataka kupeleke. Par rapport à là où tu veux que Dieu t'amène. Ujitolee kwa kazi ya Mungu. Que tu te donnes à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mimi najua kuna watu hapa unaweza toa dola 1,000. Je sais qu'il y a déjà ici peut donner 1000 dollars. Unaweza toa dola 500. Il peut donner 500. Dola 200. Il peut donner 2000. Hein? Et 200. Allez, dola 100. Il peut donner 100. Dola 50. Il peut donner 50. Dola 20. Il peut donner 20. Dola 10. Il peut donner 10. Alléluia. Yes. Nataka umjaribu huyu Mungu. J'aimerais que tu puisses le mettre en épreuve. Alléluia. Mm. Sikia nikwambie ile ushuhuda nakupatia ni ya kweli. Mtu anatoka zero anapata $50,000. C'est témoignage que je te donne, c'est vrai. Quelqu'un qui quitte de zéro qui attrape 50,000. Sasa sikiza nikwambie, unaweza kununua gari. Écoute, tu peux acheter un véhicule. Lakini ile gari haitakumbukwa. Mais ce véhicule là. Lakini kama unamjengea Mungu. Mais quand tu construis pour Dieu. Hata watoto wa watoto wako watabarikiwa kwa kile umefanya. Siuseme amen na Mungu akusaidie. Siuseme amen na Mungu akusaidie. Sasa kwa ruhusa ya baba yenu. Sous l'autorisation de votre papa. Nitakuwa hapa siku ya Mungu. Je serai ici le dimanche. Nataka umjaribu Mungu. J'aimerais que tu puisses mettre Dieu à l'épreuve. Ujitolee jile ujawahi kujitolea. Offre comme tu n'as jamais offert. Hallelujah. Ningeendelea lakini kwa sababu ya muda. Je pouvais continuer mais à cause du temps. Nitamwalika baba yangu. Je vais inviter notre papa. Il va passer ici devant. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordiale bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.